Le continent africain, avec le milliard d'habitants qu'il a aujourd'hui, semble être confronté à un problème de gestion de ses ressources humaines, alors qu'en fait, lorsque nous analysons en profondeur ce milliard d'habitants, si il est géré rationnellement, dans la mesure où la population est extrêmement jeune, constitue une force de production qui peut constituer un élément catalyseur du développement sur le continent, avec bien sûr à la clé la promotion d'une croissance au niveau continental et même peut-être au niveau mondial. Et donc le principal défi aujourd'hui, c'est de transformer cette jeunesse africaine en une force de production, une force capable de transformer radicalement les conditions de développement de l'économie en Afrique, les conditions de production, pour que l'Afrique puisse enfin répondre à ses besoins qui sont immenses, mais qui ne sont pas insurmontables comme difficulté, vu qu'elle a les ressources à la fois économiques et sociales.